actie European Restart a Heart Day, waarvan het doel is om zoveel mogelijk mensen te leren hoe dat ze een mens moeten reanimeren, wordt vandaag georganiseerd in het Centraal Station in Brussel. Wij willen zoveel mogelijk mensen de verschillende stappen leren, hoe ze moeten handelen als er iemand een hartstilstand heeft. C'est quoi le BRC? C'est quoi le Conseil Belge de Réanimation? C'est une association bénévole composée principalement de médecins, d'infirmières et d'autres médecins notamment qui sont intéressés à la réanimation et qui essaient de promouvoir la qualité de la réanimation aussi bien pour le grand public que pour le professionnel. Quoi. Pourquoi est-ce qu'on fait cette journée de réanimation sensibilisation? C'est parce qu'on a constaté qu'ici en Belgique, il y a peu de gens qui commencent vraiment une réanimation quand ils sont témoins d'un arrêt cardiaque. Parce que la plupart des Belges ont un peu peur de mal faire. Mais par contre, qu'est-ce qui peut être mal fait si la personne est déjà décédée? Donc quelque part, tout geste que vous ferez, c'est toujours un plus pour la personne et va être peut-être décisif pour qu'il puisse revivre. Quoi. Et donc on essaie un petit peu de sensibiliser, de dédramatiser un petit peu le fait de, oui les compressions, ben, quelque part c'est quelque chose de facile si on ose les faire. Et la défibrillation c'est quelque chose de facile aussi, mais il faut le voir un petit peu. Et si les gens voient un petit peu comment ça se fonctionne, ben, automatiquement on va pouvoir l'utiliser. 'S Ochtends hebben we een flashmob georganiseerd om een beetje de aandacht te trekken van het groot publiek, zodat er veel mensen meededen en bleven staan. En er komt ook een dansgroepje die een danschoreografie heeft op het liedje Staying Alive van de Bee Gees. Dat liedje representeert het juiste ritme voor een hartreanimatie. Pour cela, on a eu naturellement le bonheur d'avoir pouvoir aider parce qu'on a besoin de différents endroits pour pouvoir le faire. Et donc là, la SNCB nous a aidé de pouvoir mettre des stations d'exercice. Et donc on est ici maintenant à Bruxelles Centrale, mais il y a aussi bien à Liège, Liège-Guillemin et à Malines, il y a aussi des stations qui ont été faites avec des instructeurs qui instruisent aussi un petit peu la population. En même temps, il y a parallèlement dans toute la Belgique, il y a plus ou moins une petite cinquantaine de zones qui sont faites aussi bien néerlandophones que francophones ensemble, à des endroits où les gens peuvent un petit peu voir comment ça se passe une réanimation.